Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation. Alors je suis désolée, mais il n'y aura absolument pas de tuto pour cette création parce que c'est une création que j'ai faite sur une assez longue durée. En fait, je l'ai faite dès que j'avais 5 minutes et pour le moment, il n'est pas prévu que je refasse ce projet. Donc c'est un livre d'or que j'ai réalisé pour le départ en retraite d'un de mes collègues. Donc comme vous pouvez le constater, c'est écrit « Bonne retraite Yves ». Alors j'ai mis des petits post-it là où il y a les photos de mon collègue parce que bien évidemment je n'ai pas son autorisation pour pouvoir dévoiler son visage donc à l'écran. Donc j'ai travaillé avec énormément de matériaux qui viennent un petit peu partout. Là, vous avez du chipboard, par exemple. Vous avez des dies qui viennent de chez Action. Vous avez des tampons qui viennent de chez Stampin' Up. Vous avez des mots en bois qui viennent de chez Sostren Green. Enfin, voilà, il n'y aura pas de lien vers le matériel parce que franchement, il y a du matériel qui vient un peu partout. Les coins viennent de chez Craftelier. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup trop de sources de fourniture. Voilà. Alors, le thème de ce livre d'or est sur la forêt. Parce qu'en fait, mon collègue est un forestier. Et donc, c'est pour pouvoir faire un petit clin d'œil à la fin de ses activités avec nous. Donc, voilà. Donc, c'est un livre d'or qui se compose en deux parties. Donc, ici, vous voyez, c'est assez vide et c'est normal parce que un de nos collègues a écrit une chanson pour lui, donc il est en train de la finaliser. Une fois qu'elle sera finalisée, je viendrai la coller ici. Voilà, ici j'ai encore utilisé un petit chipboard. Et après, je suis venue faire des petites livrées pour pouvoir écrire. Et là, bien sûr, tout est sur le thème de la forêt et du bois. Alors, on y trouve aussi bien des feuillages que des choses relatives aux animaux de la forêt. Donc, la faune, la flore, voilà. Hein. Donc, pareil, là, les squelettes de feuilles. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Et la seconde partie, en fait, est un petit livret accordéon dans lequel, eh ben, pareil, les collègues pourront venir mettre des petits mots ou tout simplement... on pourra y remettre des photos à l'issue de son pot de départ en retraite. Si jamais ici, eh ben, ça a été suffisant, eh ben, on a aussi cette partie qui pourra servir de format album photo en mettant des petits souvenirs du jour de son pot de départ. Voilà. Et donc, bah, vous voyez un classeur sur le thème du bois. Et donc, c'est une reliure, vous voyez, à système de fil. Donc, en fait, les feuilles sont enchevêtré dans les lanières. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert lors d'un atelier Stampin' Up. Et donc, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet vraiment de faire une reliure très très simple. Et puis, si jamais il arrivait qu'en fait, on soit obligé de refaire des petits livrets pour y déposer des petits mots, eh ben, il suffit de couper la ficelle et de venir en remettre une nouvelle en intégrant les nouvelles pages. Voilà. Donc, juste une petite présentation pour vous montrer qu'on peut faire aussi des livres d'or, comme dans les formats un petit peu album photo, comme on a l'habitude de faire. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye !